Le patron de l'ONU pour les réfugiés palestiniens condamne le bombardement de deux écoles dans le nord de la bande de Gaza, samedi 18 novembre. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de la mort de plus de 80 personnes, dans deux frappes israéliennes distinctes sur le camp de réfugiés de Jabalia, géré par l'ONU, dans le nord de la bande de Gaza. Les scènes de meurtre et de destruction suite aux attaques contre les écoles d'Al-Fakoura et de Tal al-Zaatar dans la bande de Gaza sont horribles et choquantes, déclare Abdelkader, directrice régionale de l'UNICEF.